Yo tout le monde, c'est Prêt de Queen et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 du Let's Play sur God of War. Et la dernière fois, on était monté un petit peu plus haut dans la montagne, du coup là je me retrouve face à un jet de flammes que je vais couillonner tout de suite. Voilà. Déteste. Bon, par contre, il y a encore 3... Oh putain, il y en a encore 3 là. Et il est déjà là lui. Ah oui, il est passé par le trou. Enfoiré. Bon, moi je continue de tout détruire comme à mon habitude. Oh là. Oh, pourquoi? Ça ne sert à rien. On se voit de l'autre côté. Ouais, on se voit de l'autre côté, mon gosse. Il y a un truc à récupérer ou quoi? Tiens, dans ta gueule, toi. Ça prendra à me faire chier. Ah bah oui, il y a des sous derrière. Moi, je vais derrière. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs à récupérer par là? Parce que si je me fais chier à faire le tour pour rien... Cours, Kratos! Eh ouais, raté, bande de bouffons. Tiens! Encore voilà. Un élévateur! Je t'ai dit de pas me faire chier! Alors attends. Est-ce qu'il faut pousser le caillou? J'aurais tendance à dire que oui. Attention, ça va faire un. Voilà. Ça a marché! Yeah! Bon, du coup, j'ai pas récupéré le coffre en bas, mais bon, c'est pas grave. Ça sent les ennemis ici. Quand on sera au sommet, jusqu'où tu penses qu'on pourra voir? Le lac? Le serpent monde? La maison? Nous verrons une fois là-haut. Atreus! Coupe de cheveux! Oh, qu'il est beau! Oula, c'est bancal! Il me semble bien que. Atreus! Ça va, j'ai simplement perdu l'équilibre. Tu sais, pour quelqu'un de si fort, tu t'inquiètes beaucoup. Ça me rend service, et ça nous permet de survivre. Sans doute, mais c'est pas une vie très amusante. Ouais bah ça, hein, fais ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, comme on dit. Ah. J'en étais sûr, ça sentait le... la bataille ascenseur. Oh, attends, on peut se dégager. Ah. Et boum. Raté. Raté encore. Et bouffe ça! Ah, je l'ai raté! Putain, mais comment tu peux rater ça? Vous ralentissez l'ascenseur, bande de crétins! Cassez-vous de mon ascenseur! Me touche pas le gros! J'ai dit me touche pas le gros! Coucou! Je m'appelle Prêt de Queen. Tiens, dans ta gueule! Oh, c'est un gros... Un gros en rouge! Bon, ça suffit là! Ah oui! Et boum! Ah, il y a un connard qui tire en haut! Oui, j'ai vu! Ah! C'est du gangbang ici! Merde, j'ai visé trop haut! Mais c'est abusé, il y en a trop! Dégage le gros, tu m'emmerdes! Raté! Touché! Et c'est un bingo! Ah oui, c'est vrai, il y a lui! Ah oui, là je vous ai bien niqué! Et boum! Alors là, vous cassez les couilles! Non, alors là, hors de question, que je me fasse niquer comme un bleu par ces faquins. Raté. Et dégage. Et ça, c'était amusant. Oui. Je devrais plus m'inquiéter. Est-ce voilà. Que c'est là qu'on descend? Non, nous sommes bloqués. Comment qu'on fait? Attends,
Je crois que l'élévateur est coincé par ce mur. Tu peux le dégager? Attends. Quel mur? Bon. Ah. C'était donc là. T'as intérêt à t'accrocher, mon gros, parce que... Oh, bah dis donc, beau gosse. Il l'a fait du premier coup sans avoir à s'accrocher et tout. Il a failli, même pas failli tomber, quoi. Et jusqu'où on doit aller? Bah jusqu'en haut, Atreus. Oh, mais tu te rends compte que là, on est en train de monter? Oh, non. Si. Alors tiens-toi prêt. Oh, ça passe. Ah, ça passe. Ça passe. Ah, ça passe plus. Ça sent le gros monstre. Ça sentait le gros monstre. J'en étais sûr. Putain de ogre. Là, putain de petit monstre. Ah, putain de ogre. Bon, et ça suffit. Il a beaucoup de vie, le fils de pute. Eh, comment je fais pour me débarrasser de cette merde, moi? Oh, il va devenir de plus en plus virulent, je crois. Tu vas abîmer l'ascenseur. Comment je fais pour monter, moi, après, si tu l'abîmes, espèce de gros tas de viande? Dégage. Foule comme mon ascenseur, vainqueur. Encore, encore. Oh, il est violent maintenant. Il est énervé, il a goûté au sang. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, tu vas prendre cher. Tiens. Et une patate, et une patate, et une. Et une patate, et deux patates. Oh, j'ai niqué les copains. Tiens, dans ta gueule. Et tiens. Et tiens, et boum la mâchoire, et boum le... Non, c'est pas un troll, c'est un ogre. Voilà, mais c'est un ogre mort. Un bon ogre est un ogre mort. Et oh, je viens de péter un ogre. Un peu de respect à celui qui vient de finir son combat. Putain, il est où le respect de nos jours? Il y a plus d'honneur dans les combats, il y a plus d'honneur. Hop, je récupère ça, je récupère ça, je récupère ça, je récupère ça, je récupère ça. Et puis c'est bien. Voilà, je garde les petites vies... Les petites trousses de soins qu'il y a sur l'ascenseur, je les garde sur l'ascenseur au cas où il y a encore d'autres PD qui viendraient me casser les bonbons. Voilà. Oh. Oui, allez pas trop loin, mes petites pharmacies. Attends, je vais quand même en prendre une, voilà. Pour être à fond. On dirait. Ah, dis donc, un petit ogre comme ça. Bon, je l'ai quand même bien foutu, je l'ai quand même bien dégommé, hein. Là. Vous pouvez me féliciter parce que comparé à mon premier combat de contre un ogre, je l'ai quand même bien bourré. Je l'ai bourré. Mais nous aurons beaucoup à faire. Nous aurons beaucoup à faire. Tu avais raison sur le bateau quand nous avons coupé le dernier arbre. Tu as dit que quelque chose avait changé. C'est vrai. Et notre maison n'est plus sûre. Eh oui, mais c'est elle parce le redeviendra. C'est et parce nous qu'on... continuerons ton entraînement. La maison, elle est plus sûre parce qu'on a détruit un des arbres qui tenait la barrière magique. Donc du coup, comme on a détruit un des piliers, bah, la barrière, elle est tombée. Oh, on arrive. On va pouvoir grimper là. On est presque au sommet. Rien ne nous arrêtera. Ah si, attention. Calme-toi. C'est quoi ça? Il reste derrière moi. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Un dragon? Je savais encore qu'on allait encore me faire chier. J'en ai marre que vous me fassiez chier. Arrêtez de faire chier le dieu de la guerre. Oh. Ah, il a voulu me mordre. Mais c'est vraiment un dragon en plus. Est-ce que je peux le parer quand il me mord? On va savoir ça tout de suite. Ah. Elle est la mauvaise apparemment. Oh putain. Oh oh, on tourbillole. Eh, c'est pas vraiment un dragon, c'est une bestiole chelou.
Et arrête de bouffer mon ascenseur, putain! Oh. Et il crache de l'électricité en plus! Vite, 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 tirons-nous! Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je relance l'ascenseur! Et boum! Ah, il est tombé! Vas-y, vas-y, vas-y! Je peux pas lui sauter dessus pour lui faire le cul? Oh! Oh! C'est grâce à un pouvoir électrique qu'on peut défoncer les racines rouges! Oh putain, faut que je le tue et que je récupère son pouvoir! Putain, on est coincé dans sa queue! Oh! Ok! Atreus! C'était intense. C'était intense. On a survécu. Et il y a vraiment. Il y a tout un. Il y a tout un, un folklore, je crois que ça se dit comme ça. Il y a tout un folklore de bestioles. Wow, c'était quoi? Un cristal rouge. Bon, bref, il y a tout un folklore de bestioles dans la montagne. Putain, il y a des ogres, il y a des trolls, il y a des drogueurs et maintenant il y a un dragon. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, cristaux à fragmentation. C'est des grenades, sans déconner. Vous pouvez détruire les obstacles en sève d'arbres monde en associant les cristaux à fragmentation et l'énergie électrique. Attention. Est-ce que c'est sa sève? De la sève cristallisée. Et boum! Oh oui! Je peux lancer des grenades maintenant. Des grenades magiques. Bon. Atreus, accroche-toi, mon gars. J'ai combattu un dragon. J'ai essayé de viser ses yeux, mais je perdais toujours l'équilibre. Tu crois qu'on est chez eux? Est-ce qu'ils sont venus après le départ des géants? Ou est-ce que c'est eux qui les ont chassés? Atreus, l'air se fait rare. Garde tes questions. Respire. Respire, garçon. Oui, d'accord. Le dragon va aller le péter, si j'arrive à le retrouver. Bon, je dois pas, je me ferai pas trop de soucis pour ça, si j'y viens. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Il y a des gens qui crient. Ah! On est à la lumière. Ah bah tiens, leur v'là. Oh, c'est pas le même! C'est un autre. À moins que... Tu peux tuer un truc aussi gros? Oui. Il faut le déséquilibrer. J'ai tué un truc déjà plus gros. Je peux essayer de le distraire. Qu'est-ce que tu fabriques? On peut pas l'abandonner. À droite. Tu trouves un bon angle et tu attends mon signal. Merci. Bon. Hé, hey, l'affreux! Allez. On va niquer ce dragon. Je vais lui sauter dessus, 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 je vais lui sauter dessus! Ça y est, je suis dessus! Je suis dessus, je suis dessus, je suis dessus, je vais le planter, je vais le planter! Oh, boum! Ah, ça marche pas! Il a la peau trop dure! Bon. On va essayer autre chose. Oh non, 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 faut pas rentrer dedans. Quoique, moi je vais rentrer. Oh. Ah bah, je suis dedans là. Comme dans le cœur de dragon. Sauf que là, du coup, je suis dans la bouche du dragon. Allez, vas-y, défonce-lui la langue. Tu vas avoir du mal à manger. Tu vas plus sentir les sensations. Tu pourras plus bouffer épicé, ça va piquer maintenant. Tiens, allez, défonce le palais. Et je sais pas où il m'emmène, mais il va me cracher, je crois. Tiens. Ouais, j'ai coupé la langue, vraiment bien comme il faut, il a pas aimé. Par contre, ça se voit que du coup il est habitué à vivre à l'intérieur de la montagne parce qu'il a les ailes complètement atrophiées, il peut plus voler. Bon, ça pue du cul pour moi là. Ok. Mais qu'est-ce que c'est qui m'a touché? J'ai même pas été touché, j'ai... J'arrive à le toucher quand il ouvre la gueule. À moins que j'ai une meilleure idée. Vas-y. Ah, ça a marché, non? Ah, oh, je suis pas sûr. Essaye d'utiliser un des cristaux. Mais c'est ce que j'avais l'idée de faire. Oh oui, dans la gueule. Vite, 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 vite. Boum! Tiens, je vais te faire le cul, mon pote! Putain, j'ai fait un trou! Non, non, non! C'est pas de ma faute!
C'est toi qui m'as attaqué en premier, sale dragon. T'es grand, hein. Mais t'as des ailes atrophiées, donc tu fais pitié. Oh putain. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, salope. Alors là. Oh bah ça marche pas. Bon, vite. Putain, ça a pas marché non plus. Faut que je vise la tête. Oh putain, heureusement que j'ai activé le bouclier. Beau gosse, Kratos. Mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Wouhou, je m'appelle Kratos, bonjour. Bon, je vais attaquer, moi. Ah, il m'a mordu! Bon, et comment on fait, là, hein? Ok, bon, on va faire comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il a des attaques bizarres. Il appelle des gens. J'ai l'impression qu'il appelle des copains. Wouhouhouhou! Je m'appelle Kratos! Boum! Oh, ça a même pas marché. Putain, il faut que je lance le cristal au moment où il balance. Ah bah tiens, il est revenu mon cristal, il est là. Vas-y, crash! À 3. 1, 2, 3. C'est bien, t'es un bon dragon. Et bouffe ça maintenant. Mais ça marche même pas. Les cristaux, bah oui, mais je sais, c'est ce que j'essaie. Ah. Oh, wow, je prends foutrement cher là. Cristal, où es-tu, cristal? Elle est là. Bah vas-y, la prochaine fois qu'il ouvre sa gueule, je te jure que... Pourquoi je prends cher comme ça? C'est abusé, ça. Peut-être ça se joue au poil de cul, hein, c'est chiant. Vas-y, recommence. Vise bien cette fois. Ah oui, je l'ai eu. Oh oui. Mais non, la hache! Oh, attends. Un peu de vie aussi. Ça peut te faire du bien, toujours. Mais non, c'est de l'autre côté qu'il faut viser. Là où il y a plus de... Là où il y a plus de chair. Là où il y a plus d'écailles. Allez, vas-y, amène-toi. Ne marche pas dessus, s'il te plaît! Respecte-moi! Putain, il est balèze, hein. Il me fait penser à Grigori, le dragon rouge dans Dragon's Dogma. On va bien finir par l'avoir, ce salopard. Ça recommence. Quelque chose me dit qu'il va alterner maintenant. Allez, recommence. En pleine gueule. Allez, vas-y, défonce-moi le dragon. Oh, il est pas content. Oh, la gueule qu'il a, il est tout défoncé maintenant. Regarde, il se barre. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, reste là. Qu'est-ce qu'il cherche? Atreus, fous le camp. Atreus, est-ce que ça va? Oui. Oh. J'ai un plan. Moi aussi. Tu es prêt à baisser la grue à mon signal? Je ne veux pas le savoir. Fais-le. Oh, c'est la vie. Non, mais arrête de m'empêcher de prendre la vie, salopard. Vous, je vais me fâcher. Bon, garde-la ta putain de vie, enfoiré. Vas-y, viens. Voulu mordre, hein.
Hein, salopin. Mais putain, hein. Mais putain de merde, il va arrêter de m'aplatir. Vas-y, crash encore. Oh, ça explose sur ma gueule. Vite, 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 vite. Tiens, dans ta gueule de dragon de merde. Ah non, mais tu m'as fait chier là. Oh, de la vie, vite. Vite, de la vie partout, oui. Maintenant, tape-le. Tiens, il a bouffé. Allez, la grille, vite. La grille, la grue, vite. Bien, wesh. Et boum. Oh, ça doit faire mal. Allez, vas-y, dans l'autre sens maintenant. Comme ça, il n'ouvrira plus la bouche. Allez, allez, on va lui arracher la tête. Oh, oui. Oh, je l'ai empalé. Oh, ça doit faire très mal. Bah lui, il a dû avoir mal d'ailleurs. Et voilà, puis je repousse un peu dedans. Le gros sadique. Oh, il a explosé. Ouf. Oh, j'ai bavard mal au dos. Oh, oh. Cours, 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 Kratos. Oh, oh, beau gosse, Kratos. Eh ben, dis donc. Et je suis pas mort, les gens. Je suis pas mort. Waouh, on a réussi. Exactement. Et toi? Ah, ça alors. Mais personne n'avait tué de dragon depuis des siècles. Pas depuis la grande chasse au ver. Et si je ne m'abuse, tu as fait tout ça pour moi. Tu te trompes. Le dragon était sur mon chemin, rien de plus. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu m'as sauvé la vie. Et ça, ça mérite une récompense. Oh. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Des flèches de Guy tressé, plus droite qu'Emdal et parfaitement équilibrée. Oh. Merci. Ah, je vois. Non, attends. Non, pas ça. Mais c'est un sac sans fond, ce truc. Oui, il a dit que t'avais perdu ton talent. Oh, et que je suis égoïste? Non. J'imagine que je me soucie de l'esthétique des armes, non, plutôt que de leur efficacité. Que je suis prétentieux, non, et obtus, maniaque. Je sais ce qu'ils pensent, mais je me fiche de ces insultes. Ah, ça. Je n'ai pas de temps à perdre. Non, 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 non. Attends un peu, attends un peu. J'ai une meilleure idée. Laquelle? La meilleure, la hache. Il me faut une dent de ce dragon. Bon, je vais t'attraper une dent, et puis tu vas me faire une arme ou une armure avec ça, c'est ça? Bon. Allez hop, tueur de dragon. Et là, c'est récupérateur. Hop. Hop. Attention, et voilà. Cette... Oh, trop tard. Oh, quel massacre. Oh, mais c'est une catastrophe. Oh, oh longtemps. Hey. En sève d'arbre. Ouais, pas question de toucher ça. Simplement, tiens-la pour moi. Wow. Ah, bien sûr. Maintenant, je t'impressionne. Comment pourrais-je l'expliquer? Oh, je vois que tu as déjà tout compris, alors c'est parfait. Bon, je n'expliquais pas seulement la finesse et la complexité de mon artisanat, non, non. Tais-toi, garçon. Je suis à votre service. J'ai dit tais-toi. Oui. Alors, protection... J'ai des trucs à vendre ou pas? Bah, non. Bon, objet perdu non plus. Ah, pierre de résurrection supérieure, je peux acheter maintenant. Attention. C'est une grande partie de sa santé maintenant, mais c'est pas mal. Enfin, c'est déjà mieux. Voilà. Protection du torse. Alors, cuirasse de défenseur, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'aimerais bien avoir le truc des anciens, mais il me faut un cœur des anciens. Donc, du coup, pour avoir le truc des anciens, il faut que je tue encore des golems. Des gros golems. Parce que cette armure-là, elle a l'air bien pétée, n'empêche l'armure des anciens. Ah ouais, elle est badass.
La tenue de défenseur, cela dit, elle est pas mal non plus. Hein. Ça, 23 de défense. 23. Putain. Ouais, mais ça me fait perdre en force. Donc c'est mort. Bon, on va aller directement à ce qui nous intéresse, à savoir les améliorations. Alors, attends. Est-ce que je peux améliorer des trucs pour moi? Si je peux pas, j'améliore pour le gosse. Je peux pas. Donc je vais améliorer l'arc de mon gamin. Hop. Et voilà. T'as un nouvel arc tout beau, tout neuf. Il est tout bien. Voilà. Bon. Maintenant, les compétences. Alors, il avait dit qu'on a gagné des aptitudes. Oh. Ah oui, pas mal. En effet. Et des aptitudes qui coûtent pas cher, ça existe? Ah bah oui. Voilà. Augmente considérablement les dégâts infligés par les flèches et au corps à corps. Bah oui. Faut bien qu'Atrius y serve à quelque chose. Augmente considérablement la cadence de tir de l'arc serre. Ouais, bon ça. Les dégâts électriques se transmettent désormais d'un ennemi à l'autre. Ça c'est pas mal. Bon alors attends. Combat au bouclier ou rage combative. Ou à la hache. La hache c'est encore mieux. Combat à distance. 2000. Ah ça pique. Hein. Oh, ça coûte archi cher. Putain, 3000 là-bas. Oh la vache. Je vais prendre... Ouais, je vais faire celui-là. Augmente la quantité de... permafrost cumulé à chaque coup de hache réussi. Bon allez, je prends aussi. De toute façon, il faut bien que j'améliore mon bonhomme à un moment donné. Donc, c'est parti. Bon, sur ce, brave nain, au revoir. Je poursuis mon chemin. Il n'y a pas si longtemps, on chassait encore le cerf. Depuis, on a combattu des elfes obscurs, des trolls, des ogres et un dragon. Eh oui. J'ai l'impression qu'on est devenu invincible. Nous gagnons parce que nous sommes déterminés. Discipliné, pas parce que nous sommes supérieurs. C'est bon, c'est bon, ça sent fort, tu sais. Oui, je sais. Mais il faut pas qu'on se croie plus fort que tout le monde. Si on se croit plus fort que tout le monde, on va perdre comme des quiches. Sauf pour ceux qui jouent en mode facile. Là, ils vont quand même gagner. Mais bon, moi je suis en mode difficile, donc faut pas non plus que je fasse le beau gosse parce que... Ah, v'là des ennemis. Et en plus il se régène le salopard. T'étais chiant, toi, hein? C'était pas mal, hein? Convenable. Il a le cristal. Voilà. Tu veux que je le brise? Voilà. Ah, ça commence à me plaire. Encore. Mais c'est bizarre. Celui-là a pas vraiment explosé. Bon. C'est toujours mieux que rien. C'est le cristal. Hop. Je l'ai touché, mais il brille à nouveau. C'est parce qu'on va devoir s'en servir plus haut, ça c'est sûr. On est presque au sommet, hein. Il y a de la lumière et tout. Ah mais c'est dingue ça les gens, regardez-moi ça. Je suis encore en train de me faire inviter dans tous les sens parce que tout le monde ils savent pas jouer sans moi. Il y a un coffre là-bas, je veux l'ouvrir. Voilà. 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 1000 et des brouettes de thunes. Oh, c'est bon ça. Bon. Allez. Atrius, flèche électrique. Bien joué, Atrius. Bon. Cette fois, on va pouvoir monter. Allez, c'est parti. Bon, les ennemis qui se régènent, les Jon Snow blancs, là, les marcheurs blancs cumulés avec des mecs du cochon.
Ok. Putain, voilà, bah voilà, en v'là, justement, il a été cumulé. Bah, dégage! Tiens, tu t'apprendras à me faire chier. Ah oh, putain, maintenant il a été rejoint. L'autre, putain, il a besoin d'un autre, le cauchemar. Allez, tu vas crever. Allez, voilà, maintenant t'auras plus d'autres. Parce que j'ai défoncé tes autres. Putain de salopard, Bon, eux, il faut les défoncer en premier, les petites saloperies, là, parce que ils font chier. Comment on fait pour changer les flèches? Ah, voilà. La flèche d'en haut. Oh, oh. Ok, ça, ça pue. Bon. Bah, c'est parti. Messieurs, bonjour. On dirait que c'est parti. Il y a un marcheur blanc grand. Oh, mais comment je prends cher? C'est abusé. MH, ça marche sur eux. Et ils lancent des lances comme dans Game of Thrones. Ok, c'est vraiment des marcheurs blancs en fait. Bon, ok, là vous m'avez gavé, donc je vais faire du combat à distance. J'ai vu que le combat à distance, malgré que ce soit avec ma hache de glace, du coup, eh ben ça marche quand même. Donc bah je vais pas me faire chier, hein, croyez-moi bien. Attention, allez, attention à Tchou. Les ennemis devant. Ah, et toi, tu vas bouffer aussi. Et toi, t'es un malin, par contre. Oh, le salaud. Mais le salopard, il glisse partout. Vas-y, fais ton attaque de merde, là, que je te... J'ai quand même touché, à un moment donné. Atreus. Ah oui, on va le niquer comme ça. Atreus, flèche électrique. On est en train de le... le pauvre, il se fait martyriser. Atreus. Oh, wow, tu m'as... Espèce de gros sac, tu vas crever, Ventieu. Putain, il était chiant celui-là. Ouais. Ouais. Bah pourquoi ça pète pas? Il faut trouver un moyen de baisser ce pont. C'est sûrement comme ça qu'on sortira. Oui, 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 oui. D'abord, on ouvre la porte. Voilà. Là, il y a une histoire. Il y en a un autre. Celui-ci s'appelle Ymir. Maman a essayé de me raconter son histoire, mais je crois que j'étais trop petit. Ce sont des géants qui sortent de ces... Ok, il y en avait un là. Je crois que c'est Odin qui le poignarde. Il doit y en avoir d'autres ailleurs. Peut-être en contrebas, il y en a un. Oh, des vases. Adieu, les vases. Ok, bon. Alors, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça.
On va faire... Je peux lancer là-dessus? On va tenter, on verra bien. Ça marchera pas. Bon. Atreus, le pont! Ça y est. Oh, pas vraiment. Maintenant, c'est coincé de l'autre côté. Bah attends. Il y a des ennemis? Non. Bah voilà. Je me laisserai jamais de briser des choses comme ça. Des cauchemars! Où ça? Oh là. On va tester un truc. Putain, non mais merde, il me touche, mais quand même moi je les touche même pas. Qu'est-ce que c'est que ces enfoirés? Bon allez, vas-y, viens. À mon tour. Allez, défonce-moi ce faquin. Dégage le cauchemar. Raté. Tiens, bouffe toi. Voilà. Faut arrêter les conneries à un moment donné. Atreus, flèche électrique. Atreus, lecture magique. Par ici. Kratos. Cassage de page. Je me demande qui a écrit ça. Je sais pas. Voilà. Bon, y'a quoi par là? C'est par là qu'il faut aller? Ok, bon bah moi je vais en haut. Je veux voir s'il y a des trucs à récupérer. Et bingo, y'a un truc à récupérer. C'était de la vie. Oh! Hop, à dégager. Par contre, il m'en manque toujours un. Oh! Dégage toi! Qu'est-ce que tu fous planqué là-dedans? Qu'est-ce que tu fous planqué dans le coffre? C'est pas un endroit pour jouer. Les coffres, tiens. C'est là où je trouve des sous. Tiens. Puis j'ai pas trouvé de sous là. Du coup tu m'as... Oh. Ah bah en fait si. Il avait tout sur lui. Bon. Il manque un truc à péter. Un petit espèce de petit pot avec une rune. Pour pouvoir ouvrir le coffre qui est en dessous de moi. Et j'ai aucune idée d'où il peut être. Ah, raté. Ouais. Ah ouais, on est vraiment pas loin du sommet là. Bon. Il est où? Elle est là. Bingo! Je vais pouvoir ouvrir le coffre. Wouhou! Avant de partir. Ouvrir avant de partir. Et voilà! Allez, faites que ça augmente quelque chose. Ah putain, 2 sur 3. Merde. Dommage. Bon, c'est pas grave. On va continuer d'avancer. La prochaine fois que je trouve une pomme dans un coffre, je pourrai avoir encore plus de vie. Allez, on y est presque. Ce sera plus long, merde. Oula, il fait sombre là-dedans. Oh. Oh, on est au sommet. Regarde, le sommet. On en est si près. Oh oui. Ton carquois. La lanière a cassé quand on a affronté le dragon. Ça fait rien, je peux le tenir. Arrête. Viens ici, je vais le réparer. Qu'est-ce qu'il va faire? Un carquois brisé ralentirait tes tirs. On tolère la douleur,
mais pas les armes défectueuses. Ça ira pour l'instant. C'est bon. Parfait. Vas-y. Doucement, regarde où tu mets les pieds. Bon bah nous on va s'arrêter ici du coup, vu qu'on est arrivé au sommet comme ça. On a eu déjà une vidéo foutrement épique, si passez-moi l'expression. Avec ce magnifique dragon que j'ai magnifiquement défoncé. Et il était majestueux, franchement il était très beau. Mais comme je disais d'ailleurs par rapport à ses ailes qui étaient complètement atrophiées, ça c'est parce qu'à mon avis c'est dû à son mode de vie souterrain. Mais du coup voilà, c'était un combat très très épique. Alors entre l'ogre dans l'ascenseur et le dragon sur le flanc de la montagne, c'était génial. Donc le prochain épisode, on va là-bas, au sommet, et puis on va disperser sûrement les cendres de maman. Voilà. Bon et bien si se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à bombarder la barre des pouces bleus, vous connaissez la chanson depuis le temps. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout, et puis bah, moi je vous retrouve la prochaine fois lors d'une nouvelle vidéo. Tchuss tout le monde et portez-vous bien.